T'as l'autre dans ton dos qui te... Après, je fais ça et après c'est moi qui... Non, t'es content. Bravo. Philippe Bird, c'était un bel engagement et Johan, on va dire, a bien fait la finition. Oui, bah, c'est le cheval que mène Pierre Varquis, mais comme Pierrot mène Bocador de Cime maintenant, et qu'on ne sait pas si on l'alterne montée attelée, si on va le recouvrir. On voulait le tester aujourd'hui 2008. Le cheval, ce n'est pas vraiment un objectif. Mais le cheval paraissait bien au travail. Il est un peu rond depuis le groupe 1 où il a été second monté. Et puis voilà, il ne va pas courir 1600 mètres. Maintenant, on va préparer le meeting d'été. On est ravis, on est content. Il a été devant. J'avais dit, tu n'as pas un cheval pour faire 300 mètres, un cheval pour faire 1 km. C'est ce qu'il a fait, il a amené aux ordres très bien parce qu'il a un cheval dans son dos qui était favori Booster Winner, un ex-cheval de l'écurie, qui a un petit cheval très rapide comme ça pour faire une pointe. Et il a réussi à bien résister, gentiment, les oreilles bouchées. Non, c'est, on est ravis, très content. Est-ce que tu as tremblé à mi-ligne droite quand l'autre est venu à sa hauteur? Non, on est battu, ce sont les courses. C'est parce que j'ai eu ce cheval-là chez moi, il a le droit de gagner 10 courses, 10 groupes s'il veut. Je l'ai rayé de ma tête, ce cheval-là. Mais non, un petit chèque, c'est mieux qu'un grand choc. Donc il a tenu ses rênes, il est second. Enfin, il a gagné, c'est parfait. Il aurait été second, j'aurais pas fait la gueule. Voilà. Merci. Belle course d'attente en tête. Et puis le dernier kilomètre, c'était les ordres? Oui, j'avais pas d'ordre précis. Si je démarrais pas très vite, il fallait pas que je prenne de risque dans le premier tour. S'il y avait un temps mort, j'avais le droit de venir. J'avais pas d'ordre précis. Faire le kilomètre, si j'étais devant, c'était pas... Non, il y avait pas... Je faisais comme je le sentais, le truc. Ça doit être un petit plaisir quand même de tenir un cheval qui est dans ton dos tout au long de la ligne droite, de le laisser à côté de toi, comme ça c'est la marque aussi des grands chevaux. Oui, c'est là qu'on prend du plaisir quand on mène les chevaux comme ça, hein. C'est pas souvent, d'habitude quand on est comme ça, on le voit passer, c'est tout. Non là oui, comme un bon cheval, il repart avec tout le long, jusqu'au poteau il repart, c'est un vrai dur. Il est con celui-là. Eric, La mèche. Eric, avec Booster Winner, est-ce que tu y as cru? Ouais, j'y ai cru un court instant, à 200 mètres du poteau, j'y ai cru. Maintenant, je suis tombé sur un os, un excellent cheval qui carpoussait les attaques. J'ai qu'un regret, c'est que mon cheval a beaucoup tiré pendant 1500 mètres. Et il s'est usé inutilement sur le mort, et c'est mon petit regret d'après-course. Johan a quand même drôlement bien joué le coup en tête. Ouais, il a bien joué le coup, maintenant... il a bien joué le coup. Ouais. Tu pouvais pas faire mieux? Si mon cheval respire bien, j'aurais pu faire mieux. Donc des regrets. Faut toujours avoir des regrets quand on gagne pas. See you again.